Évidemment qu'il y a un vaste périmètre de sécurité pour ces funérailles d'État, notamment dans le Vieux-Montréal. Plusieurs entraves à prévoir, hein, Catherine? Oui, absolument. Donc, c'est entre les rues Saint-Antoine et Saint-Paul et Saint-Laurent à François-Xavier. Là, il faut complètement éviter le secteur. Ça va être bouclé. On ne pourra pas se stationner non plus. Et vous allez le voir, là, il y a déjà un important périmètre. Là, ce qu'on nous disait, c'est qu'on va complètement boucler, oui, plutôt le secteur vers 8h30. Il y a énormément de policiers du SPVM, de la GRC et également des commissaires déjà en place. Et vous le voyez, il y a aussi plusieurs collègues des médias, là, plusieurs personnes qui sont déjà arrivées. Donc, on est présentement devant la basilique Notre-Dame et on l'a dit déjà plusieurs fois ce matin, là, le cortège qui va partir de la basilique Saint-Patrick pour se rendre jusqu'à la basilique Notre-Dame. Donc, vraiment, vraiment un secteur à éviter. On a aussi vu plusieurs VUS pour l'escouade tactique. Donc, il y a énormément de déploiements policiers ici, de sécurité. Donc, si vous êtes en voiture, évitez complètement le Vieux-Montréal parce que ça va être extrêmement difficile au niveau de la circulation. Et même d'un point de vue piétonnier, là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Là. Donc, vous l'avez dit, là, vraiment là, un important déploiement. Merci beaucoup, Catherine. Au revoir.